faible méditerranéen se met à la musique. Baptiste Giabiconi est avec nous, les filles, aujourd'hui, pour nous révéler tous les secrets de son futur album. Merci beaucoup, merci Baptiste. Merci à vous, merci pour votre invitation. Oui, c'est vrai, le projecteur. Bon, avant de parler de musique, pour nous mettre à l'ordre du jour, est-ce que tu es toujours célibataire, Baptiste? Toujours célibataire. Et comment est-ce possible? Dis-moi. Il paraît que tu aimes bien les petites brunes un peu piquantes. Elle a Eva Longoria. Dans ma vie, on s'en va. C'est vrai. Mais est-ce que les petites blondes un peu piquantes ça peuvent convenir? Ça peut passer aussi, il n'y a pas de problème. Ça peut passer. Je ne suis pas sélectif. D'accord. Un petit peu timide, là. Séducteur quand même un peu, Baptiste? Séducteur, grave. Ah bon? Ah, tu l'assumes? Ouais, je l'assume total. D'accord. J'aime séduire. Ah bah c'est bien. Tu fais quoi pour séduire une femme, par exemple? Tu as des balles? En fait, pas spécialement grande chose. Hein. Je laisse opérer un peu le côté naturel et spontané du moment. La magie. Voilà. Et puis maintenant, il y a la musique aussi. Tu peux leur chanter de belles chansons. Ton premier album, Light Year, qui veut dire Les années lumière, devrait sortir bientôt. Alors raconte-nous un petit peu où ça en est. Ça sortira quand? En septembre? En septembre. Le deuxième titre, qui s'appelle aussi Light Year, qui arrive d'ici 3 semaines, 1 mois. On part tourner le clip là, donc l'album qu'on enregistre à Londres, au studio Matrix avec Pete Boxtamartin. Voilà, il a travaillé avec pas mal de... Un gros studio. Hein, un gros studio, ouais. C'est vraiment une expérience magnifique. Ton premier titre, Showtime, est-ce que ça va être révélateur de cet album, un son un peu électro-rock? Le premier titre, il était assez électro-pop, je dirais, pour m'introduire, pour arriver. Mais c'est vrai que mes influences à moi, elles sont beaucoup plus pop-rock, je dirais. Donc voilà, il y aura cette touche pop-rock dans l'album. Il y aura des featuring, des duos. Il y aura des duos, voilà. D'accord, tu peux nous en dire plus là pour l'instant. Je laisse un peu la surprise. Allez, on va parler toujours musique avec Audrey. Est-ce que tu aimes bien la soul? J'aime beaucoup la soul. Allo et Black? J'adore. Bah, c'est super, allez tout de suite avec Audrey. Alors, dis-nous tout sur ce superbe auteur, compositeur et interprète. D'ailleurs, toi, Baptiste, est-ce que tu as travaillé sur la composition et l'écriture de ces chansons ou tu n'es qu'interprète? Ouais, en fait, sur 5 titres de l'album, je suis en co-écriture. Mm-hmm. Donc, j'ai pris vraiment plaisir à pouvoir mettre sur papier ce que je pensais. Mais c'est en anglais, donc tu as écrit en anglais? En fait, ouais. Enfin, tu traduis après? On traduisait, tout à fait. Des textes qui te ressemblent? C'est un peu inspiré de ton vécu. En fait, c'est tout à fait de mon parcours depuis Marseille à mon arrivée, mon enfance, ma vie, ce rêve qui se réalise du jour au lendemain comme ça. Je voulais expliquer ça. Ça faisait longtemps que tu veux chanter, si ça te trompe. En fait, j'ai toujours chanté. Et... Il paraît que tu fais très bien la corrida de Cabrel à Capella. C'est vrai. Je la fais très bien. On m'a dit ça. Tu chauffes, Anne. Tu vas faire un temps obligé. J'imagine les téléspectateurs devant leur télé. Un tout petit bout. Allez, tout petit. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Parapum, 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 parapum. Est-ce que ce monde est sérieux? Parapapum. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi. Ils ont eu peur que je recule. Je vais pas trembler devant ce pantin. C'est Minus. Bravo! Alors justement, tu chantes super bien en français et je crois que ça va toucher toutes les femmes de cette planète. Pourquoi cet album? Élargissons les frontières, je crois que la beauté est unanime dans tous les pays. Non, en fait, sur mon premier album, je voulais chanter en anglais parce que par rapport à mon métier de mannequin, à ce tremplin que j'ai eu dans ce métier-là, j'ai acquis une certaine notoriété à l'international. Et je me dis que ça allait de soi dans la musique de commencer à l'international et après arriver. Une petite French touch, ça aurait été bien, une petite chanson en français. Mais ça arrive, inquiétez pas, bien sûr, parce que les fans français sont là, elles me supportent énormément. Allez, Baptiste et les filles, je vous propose tout de suite d'écouter le premier titre qui t'a révélé, ça s'appelle Showtime. Regardez. L'album, t'es comme ça dans la vie, toi aussi. T'es quelqu'un qui est positif tout le temps, Baptiste. Tout le temps. J'ai besoin de ça et j'ai besoin de gens positifs aussi autour de moi. Voilà, j'ai envie de dégager ça et essayer de procurer un petit moment de bonheur aux gens. Voilà, c'est ce qui me plaît. Tu y arrives très bien. Justement, en parlant de gens positifs autour de toi, je crois que ton producteur est devenu aussi ton ami. On l'a rencontré tout à l'heure, on a pu parler un peu avec lui. C'est vrai qu'il est très sympathique, Sid. Ouais, en fait, avant d'être mon producteur, c'est un ami avant tout, un frère.
Voilà. Comment vous êtes rencontrés? Et on s'est rencontrés en faisant un reportage d'ailleurs pour Énergie 12, qui coproduisait. Et puis voilà, on a sympathisé, on s'est trouvé des points communs. Et puis pareil, il m'a fait chanter un petit morceau et j'ai dit que moi j'adorais ça. Et puis voilà, après on s'est rencontrés, on a voulu partir sur ce projet. On a pris le temps de le faire et c'était un choix aussi personnel de ne pas signer de suite en major. Donc nous, on est en autoproduction au jour d'aujourd'hui et voilà, on prend le temps de faire les choses, on n'est pas précipité. J'ai entendu parler d'une petite collaboration avec Lady Gaga ou le producteur Redouane de avec, Lady Gaga. On travaille avec Redouane aussi, ouais, c'est en cours. Tu veux pas nous dire, c'est difficile, on ne peut pas savoir ce qu'il y aura dans cet album si tu veux pas nous en parler. Bah oui, bien sûr, oui. Il est là pour ça aussi, hein. Ce n'est pas que pour voir ses yeux. Les Américains disent de toi que tu es le plus bel homme après Alain Delon, le plus beau français. Est-ce que justement, en parlant d'Alain Delon, tu aimerais bien faire une carrière d'acteur? On le sent bien, t'as le charisme pour, en tout cas, faut pas se voler la face. C'est gentil, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas envie de m'éparpiller, j'ai pas envie de faire tout à la fois. Aujourd'hui, moi, ma passion, ce que j'aime, c'est la musique, j'ai envie de le faire à fond. J'ai un album qui arrive, j'ai envie de prouver de quoi je suis capable aux gens, je suis attendu, j'aime ça, être attendu. Donc voilà, c'est un beau défi. Relever le défi. Exactement. Un homme de défi. Je parlais de cinéma, on va continuer justement dans le cinéma avec Anne, fan de Fast and the Furious. Pas mal. Tu pourrais jouer dedans. Ah, c'est bien ça. Mais quel compliment, quel compliment. Dans Paris, c'est fou, c'est que c'est plein de compliments. Écoute, avec trois filles. Moi, je crois que quelques jours un peu de repos. Et puis voilà, pour moi, c'est important de retrouver mes racines, ma famille, mes amis. Un peu de décontraction. Tranquille. Et tes parents sont corses, d'origine corse. Ils sont corses. T'as pris des traits de caractère typiquement corse. Explique-nous. Alors qu'est-ce que c'est des traits de caractère typiquement corse? Je sais pas, un côté un petit peu sanguin peut-être, un petit peu macho. Est-ce que tu te reconnais dans ces racines corses? Je n'ai pas peur des corses. Mon beau-frère est corse, je suis protégée. Je pense que j'ai pris énormément de... Ouais, ce côté corse-là, je l'ai... D'ailleurs, c'est vrai que je revendique souvent mon côté corse. Alors on va... Je suis fier. T'es fière d'être corse. Tout à fait. J'avais vu un reportage chez toi, je me rappelle, avec un grand drapeau, drapeau corse. D'ailleurs, j'embrasse la Corse. Je sais pas s'ils nous reçoivent. Mais bon. Si, pourquoi Gernat, après, ils ont pas si. Ah d'accord, ok. Allez Baptiste, on va reparler musique et de ton prochain premier album. Alors on a pu revoir des images de ce clip Showtime, qui tourne un peu partout. On va écouter le deuxième extrait de ton prochain album, en exclusivité mondiale, les filles. Mais oui, personne n'a encore eu le droit et la chance, l'honneur d'écouter ces notes. On l'écoute tout de suite. Allez. Ça s'appelle La Tière, donc la comme tière, l'album. Voilà. Donc un peu moins électro, hein, on peut le dire. Plus pop-rock. Voilà. Toi, c'était qui tes idoles quand tu étais jeune? Moi, c'est George Michael, Bowie... Okay. Dépêche Mode. Ouais, donc il y a toujours ce côté. Ouais, il y a cette influence-là. Un peu plus rock. Tout à fait. Et alors, raconte-nous un petit peu comment t'as pu franchir ce pas, parce qu'à la base, tu voulais être pizzaiolo, je me rappelle, au tout début. Voilà, en fait, moi. Sans parler de musique, déjà, comment t'es arrivé, comment t'as rencontré Karl Lagerfeld? Je crois que c'est de là que tout a commencé. Mais tu n'as pas en fait, c'est vrai que c'est parti de là, vraiment, oui. Où tout a décollé. C'est à partir le jour où j'ai rencontré Karl. Mais sinon auparavant c'est monteur-ajusteur chez Eurocopter. Monteur-ajusteur chez Eurocopter, tout à fait. Vous voulez pas avoir une petite pizzeria, c'était pas ça l'idée? Si. Camion à pizza. En fait je voulais travailler pendant 5-6 ans chez Eurocopter, mettre de l'argent de côté et puis me monter ce fameux camion à pizza. Mais alors, ça devient un restaurant maintenant, c'est plus un camion maintenant, tu peux ouvrir un restaurant. Je pense prochainement dans les années qui vont suivre créer un lieu, un endroit où on vient en toute convivialité. Sans prétention, voilà, manger un petit morceau et... On ira manger chez Baptiste, hein, je crois qu'il y en a. Avec grand plaisir, les filles. Je vous réserve votre petite table. Avec plaisir. Et Karl, qu'est-ce qu'il a dit, Karl Lagerfeld? J'appelle Karl comme ça. Karl Lagerfeld, qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as dit que tu allais faire de la musique? Est-ce que tu continues déjà à faire En fait, de il musique? Savait déjà parce que j'en ai toujours parlé. Ouais. Et au contraire, Karl, c'est une personne qui aime que d'autres personnes s'investissent dans des projets et qui réussissent. Donc lui, c'est la première personne à me soutenir et à me dire « Vas-y, Baptiste, fonce ». Il écoute beaucoup de musique aussi. Je crois qu'il a 3 ou 4 iPods. 3 ou 4 En plus, ça. Ouais, 4000 le poète. Pardon. Ouais, donc il t'a poussé... Ah ouais, c'est un fan de musique, Karl. Ouais. Il t'a poussé dans ce sens. Alors, milieu de la mode, aujourd'hui, tu t'arrives encore à te sentir bien, entouré de ces requins, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un milieu super difficile, plein de superficialité,
pas tout le monde. Bizarrement, moi, les requins, je les vois pas. Ah bon? Non. Je crois que j'ai la chance Petit d'être... aussi dans ce milieu, bon, dans la musique, je suis bien entouré, mais je crois être très, très bien entouré aussi dans la mode, auprès de Karl, auprès de son staff, de son équipe. Et voilà, je suis un peu, entre guillemets, un privilégié, j'en suis conscient, quoi. Et tu as été parfois la cible de certaines critiques, le côté « sois beau et tais-toi » aujourd'hui, et même avant. Ouais, mais je crois que ça fait partie du jeu aussi. Ouais. C'est normal, il faut accepter la critique. Moi, j'aime ça. Il est parfait, ce Baptiste. Hein. Pas rien lui dire, j'essaye dans tous les sens. Tu réponds pas. Non, mais c'est vrai, c'est normal. Les gens, ils se posent des questions. Ils se disent, bon, le mannequin, il veut chanter. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il fait. C'est lui qui chante ou pas? Mais moi, ça me fait plaisir. Les gens, ils se posent la question, déjà. Et moi, je suis là pour leur prouver. Karl Lagerfeld, quand tu as dit de Karl Lagerfeld que sa plus belle qualité était la générosité. Et toi, s'il fallait dire ton plus grand défaut et ta plus belle qualité, on a fait une belle queue de poisson en question, là. Donc, si jamais tu devais dire, allez, une qualité. Toi... C'est dur de alors, ton plus grand défaut, ça c'est plus facile à dire. Perfectionniste. Perfectionniste, je dirais défaut, parce que je veux que tout soit parfait. Et des fois, ça peut être un peu pénible, je dirais, pour les gens qui m'entourent. Parce que je veux tellement que ça soit carré que c'est un peu trop des fois. Et je le sais, mais je me remets en question, hein. Rapidement, avant de terminer, tu vas être sur Énergie 12. Tu es en ce moment sur Énergie 12 en tant que jury dans Génération Mannequin avec Dominique Damien Réel. Est-ce que tu as refusé, ça je voulais savoir, je me suis posé la question, d'autres projets télé? On a dû t'en proposer beaucoup quand même, non? On m'a proposé des projets télé, mais voilà, c'est ce projet-là qui m'a intéressé sur cette chaîne. Parce que j'ai aimé ça et je voulais m'investir. Et Vive Énergie, grave. Moi, j'ai Vive Énergie. aux côtés de Dominique Damien pour cette émission Génération Mannequin. Ils m'ont proposé de venir un peu apporter mon expérience et mon vécu dans la mode pour pouvoir expliquer un peu ce métier qui a des côtés aussi, des beaux côtés, mais il y a aussi des côtés un peu contraignants. Et voilà, et il ne faut pas aussi s'envoler et penser qu'on peut y arriver du jour au lendemain comme ça aussi. Parce qu'il faut en vouloir, mais il y a aussi quelque part, je dirais pour moi aussi, une part de chance d'être là au bon moment. D'avoir été parrainé aussi par un grand. Mais tu le mérites aussi. Exactement. On te souhaite beaucoup de chance pour la musique. Merci beaucoup. Je rappelle que ton premier album va sortir bientôt en septembre. On peut déjà télécharger des titres ou pas sur le net? Le premier titre. Le premier titre, Showtime. Et bientôt. Le deuxième titre dans quelques semaines. Bien d'entendre ici. Voilà. En exclusivité. Exactement. Et je voulais d'ailleurs passer un petit message à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur mon groupe Jabiconien et Jabiconienne et sur le Baptiste Jabiconi fanpage. Merci d'être là. Je vous aime très fort. Tu pourras leur dire en direct, ils t'attendent en haut. Merci beaucoup, Baptiste. Merci Audrey. Merci Anne. Les filles.